Bon, les amis, il faut que je vous dise, il neige. J'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui est incroyable. Bon, ok, on se calme. On a tous vécu cette sensation super désagréable de nerfs pincés, et moi le premier. Vous avez passé une bonne partie de la nuit la tête sur votre bras et vous essayez de le bouger. Mais rien n'y fait, vous avez le bras engourdi. Cependant, en quelques secondes, tout revient en ordre. Sans aller dans ce cas extrême, il peut arriver que chez certaines personnes, à certains moments de la journée, en voiture par exemple, cette sensation désagréable revient. Bienvenue dans le monde de la névralgie cervico-brachiale. Un nom un peu barbare pour désigner une douleur sourde, diffuse, souvent vive, qui sévit sur le trajet d'une racine nerveuse et ou de ses ramifications. Une douleur qui électrise tout ou partie de votre bras. Les sensations associées sont des douleurs profondes, assez, ma foi, difficiles à décrire, mais se rapprochant de fourmillement, chaleur, fraîcheur et ou brûlure. Vous savez, un genre de douleur profonde, assez pénible, car souvent à bas bruit. C'est-à-dire qu'elle est là, elle ne vous dérange pas énormément, mais c'est quasi permanent. Elle peut aussi tout à coup se réveiller de manière aiguë, comme un coup de poignard à des moments de la journée. Pour avoir mal comme cela, essayons de savoir ce qui se passe quand même dans notre corps. Jetons un coup d'œil à la colonne cervicale. Elle est composée de 7 vertèbres. Sur les côtés des vertèbres, on retrouve les 8 racines nerveuses qui vont innerver différentes parties du bras au niveau des sensations. Ce sont des nerfs dits périphériques. On peut relier une racine nerveuse qui part des vertèbres au territoire cutané qu'il dessert. Ceci est appelé le dermatome. Le nerf périphérique, c'est quoi ? Le nerf périphérique, c'est quoi ? Le nerf périphérique, c'est une prolongation de notre cerveau. Les nerfs périphériques vont donc nous servir à acheminer 2 types d'informations. Le premier type d'information, ce sont les sensations. Si je prends l'exemple d'une boisson, l'odeur qui se dégage de la boisson est captée par les cellules olfactives du nez. C'est la voie ascendante. Les neurones sensitifs sont responsables d'acheminer cette information au cerveau. Le cerveau traite l'information et il y aura une décision, comme par exemple de prendre le verre et de le mettre à la bouche. Mon cerveau ordonne donc à mes muscles de bouger le bras, de serrer le verre et de le lever. C'est une voie dite descendante, la commande du cerveau est transmise aux effecteurs, c'est-à-dire aux muscles. Les neurones moteurs sont responsables d'acheminer la commande aux muscles. Donc, si on prend un peu plus de hauteur, une irritation d'un nerf peut causer des sensations désagréables sur une partie précise du bras et même, dans les cas extrêmes, causer des pertes de force. Mais pourquoi a-t-on mal ? Quelle est la cause ? Lors d'un choc ou de gestes répétés, il peut y avoir une compression nerveuse. Les vertèbres cervicales sont parmi les plus souples de la colonne, ce qui les autorise à faire bon nombre de mouvements. Cependant, la contrepartie, c'est que la vertèbre ne revient pas souvent à sa position d'origine. Tension musculaire, grippage articulaire, bref, il est possible qu'une racine nerveuse s'en trouve légèrement comprimée. Une compression nerveuse, c'est très simple. Je vais avoir une irritation sur toute ou partie de son trajet. Lorsque, par exemple, je vais venir pincer au niveau de sa sortie, je vais donc avoir une irritation de la racine nerveuse qui peut venir jusqu'au niveau de la main de la personne et celle-ci peut ressentir des picotements, des sensations de brûlure, voire de l'engourdissement. Deuxième cause, elle est liée aux disques intervertébraux. On retrouve notre ami la hernie discale. Lui, c'est mon ami. Bien que cette problématique puisse être parfois très incommodante, les recherches nous montrent que la majorité du temps, il faut simplement s'outiller pour traverser la tempête jusqu'à la résolution naturelle du problème. Ah, elle est là la bonne nouvelle. La littérature scientifique disponible actuellement nous indique que la plupart des névralgies cervico-brachiales se règlent par elles-mêmes. Pour d'autres, cela va passer par un traitement multiple, comme la thérapie manuelle, les exercices ou encore les injections. Il y a une dizaine d'années, les mobilisations neurodynamiques ont fait leur apparition et cela a permis de bonifier les résultats de la thérapie manuelle. C'est quelque chose que vous pouvez mettre en place chez vous rapidement. Les mobilisations neurodynamiques deviennent passionnantes parce que si on arrive en bougeant le nerf à modifier la douleur, alors on arrive à retrouver un schéma moteur normal. Je vous montre maintenant les mobilisations. C'est parti!
Et voilà, le tour est joué. Vous n'avez plus qu'à pratiquer afin de diminuer les symptômes. Si la douleur s'amplifie, arrêtez immédiatement l'exercice. Et quant à moi, je vous quitte sur ces belles images d'hiver.